madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Pour votre passe, le jeu de votre week-end, j'espère que ça va bien. Public est là, avec des invités formidables, Corinne Touzet et Tex. Tex et Corinne Touzet qui viennent évidemment dans cette émission pour jouer avec nous, pour jouer à votre passe. Corinne Touzet que vous retrouvez dans une journée particulière en tournée en France, et Tex que vous retrouvez chaque jour sur l'antenne de France 2. Ça fait combien de temps maintenant ? 15 ans. 15 ans, voilà. Corinne et Tex sont là, on va jouer à mot de passe. Ils ne sont pas seuls, car un jeu, c'est bien s'il y a des candidats et s'il y a un enjeu. L'enjeu, je vous en parle dans un instant. Les candidats, c'est Emmanuel et Thomas. Voilà, nous sommes ensemble pour mot de passe. Nous avons une chaîne officielle YouTube. Mot de passe, et vous pouvez regarder si on vous manque comme ça entre deux samedis. Sur cette chaîne, il y a à la fois des parties que vous proposent des célébrités, les coulisses de l'émission, et puis des jeux avec des mots cachés. Enfin, c'est un complément à ce que vous voyez chaque samedi. Vous habitez où, ma chère Emmanuelle? J'habite à Lambersart. À Lambersart, c'est dans le Nord. Oui. La Schnorr. Ah ouais, dans le Schnorr. Alors, on dit souvent que les habitants du Schnorr sont les plus chaleureux. C'est vrai. Mais c'est pour ça que vous avez traversé le désert avec des Touaregs. Ah oui, non, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Et pourtant, vous l'avez fait. Oui, je l'ai fait. Et quand vous ne traversez pas le désert, vous faites quoi? Alors, je suis auxiliaire de vie scolaire. D'accord, vous occupez notamment des enfants handicapés. Voilà. Merci pour le travail que vous faites. Merci. L'homme qui est là s'appelle Thomas. Il s'occupe de quoi? De football, c'est ça, non? Oui, tout à fait. Et en plus, ce qui n'a rien à voir, vous aimez les couleuvres. Absolument, j'aime les couleuvres, j'en possède une, moi-même. Voilà. Enfin, une vipère, hein, une couleuvre. Une couleuvre. Vous l'avez appelée comment? Skyler. Skyler. Quand vous l'appelez, elle vient? Non, bah, ça n'entend pas, en fait. Ah bon. On est tranquille, comme ça. Voilà. Eh bien, Corinne va jouer avec vous, mon cher Thomas, dans une première manche de qualification. Emmanuel, vous allez jouer avec Tex, car nous allons immédiatement jouer... Ah, je ne vous l'ai pas dit, mais... SPCC. Vous ne venez pas pour l'argent? Non, personne vient pour l'argent ici. Non. Donc je ne vous dirai pas que vous pouvez gagner la somme de 20 000 euros. Bien sûr. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec cette belle partie de votre passe, avec les qualifications. C'est Corinne qui fait jouer Thomas dans un premier temps. 30 secondes, un point par mot. Et quand le mot ne vous inspire pas, vous passez. Le mot reviendra dans le laps de temps des 30 secondes. Corinne. Soir. Matin. Oui. Guerre. Paix. Oui. Musée. Exposition. Paris. Louvre. Oui. Passe. Sol. Plafond. Cuisine. Carrelage. Oui. Livre. Bouquin. Rangement. Bibliothèque. Étagère. Je cherche un mot que je ne trouve pas. Pour faire deviner le mot collection. Je cherche un mot que je ne trouve pas. Timbre. Timbre, voilà, c'est timbre, ça. Philatéliste, ça, timbre. Mais voilà. Pas mal, attends, 4 sur 5, c'est bien. Matin, paix, Louvre et carrelage. 4 sur 5. Il y a des choses évidemment qu'on ne peut pas faire pour arriver à faire deviner le mot. Je vous le donne tout de suite. C'est la liste des interdits que vous connaissez tous, pas de mots composés, pas de mots de la même famille, pas de mots qui commencent par le même son, et pas de mime, sinon on entend... Alors, Emmanuel, vous êtes à la réception, c'est Tex qui vous sert. Fait... Oui, absolument, qui sert. On y va. Biscotte. Tartine. Rougir. Blémir. Brunir. Bronzer. Cheveux. Teindre. Brune. Blonde. Verbe. Blondir. Los Angeles. Autre mot. Aujourd'hui. Demain. Autre mot. Roi. Quoi autre mot la dernière fois? Parce que... Aujourd'hui, c'est deux mots. Aujourd'hui, c'est deux mots? Ah ben, c'est pas attaché.
Il y a une apostrophe. Oui. C'est pas attaché. Ah oui. Bon, d'accord. Et Los Angeles. Oui, c'est deux mots. D'accord. Là, c'est d'accord. Tartine, c'était bien. Blondir, c'était bien. Ça fait 2 points, 2-4. Alors, aujourd'hui, maintenant, c'est Thomas qui joue avec Corinne, qui a déjà 4 points et qui va essayer d'améliorer ce score en faisant deviner au maximum 5 mots, un mot valant 1 point dans les épreuves de qualification, comme chacun sait. Gâteau. Tarte. Bordelais. Cannelé. Mitterrand. François. Autre. Albert. On passe. Autocollant. Sticker. Voiture. Passe. Passe. Somme. Argent. Ah, ça n'a pas marché là. Quelquefois, quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, petit décalage. Alors, vignette. Le premier, vignette. Oui, la spécialité bordelaise et de tout le bassin d'Arcachon, du Pilat, etc., c'était le cannelé et c'est drôlement bon. Alors, Mitterrand, ce n'était pas François, c'était Frédéric. Peut-être aussi. Mais c'était pas mal, il l'a bien joué. Je ne me souvenais pas. Alors, ça fait 5 points en 2 manches, 2 points avec 1 manche de retard. Emmanuel, c'est vous qui devez maintenant faire deviner les mots. Ça va, Emmanuel ? Ça va. Voilà. C'est à vous. Transpiration. Sudation. Substantif. Suer. Substantif. Non, j'ai pas. Transpiration. Non, j'ai pas. Passe. Femme. Homme. Prince. Reine. Charles. Princesse. Prénom. Ah, là non plus, hein. Kate. Voilà. Kate. Comment? Alors. Kate. Camilla. Oh. Camilla. Camilla. La femme de Charles. Ah. Faut passer dans ce cas-là. Passer, ouais, ouais, ouais. Vous obstinez à vouloir le faire trouver. Vous êtes dans les épreuves de qualification passées. Il reviendra. Et puis alors, le substantif, la sueur. 2 pour vous, Emmanuel. Non, c'est pas grave, évidemment. C'est la seule émission où les candidats rassurent les personnalités. Hein. Genre, c'est pas grave. On est venu pour c'est s'amuser. Vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, on se met la rate au bourbouillant, c'est une horreur. Alors, 2 du côté d'Emmanuel, 5 du côté de Thomas. On va inverser les équipes, c'est-à-dire Corinne va jouer avec Emmanuel, Tex avec Thomas. Allons. Ah, oh, pardon. Alors. Tout ça, c'est du théâtre. Mais t'as une belle veste. Alors derrière. C'est joli, hein. Je sais pas, mais voilà. Voilà. Petite veste d'hiver, petite veste de boîte de nuit, petite veste de soirée. Bien, voilà. Ça te va très très bien, mon cher Tex. À ravir, ça tombe bien, je l'ai gaulé. Alors, Tex va faire jouer Thomas. Ce sont encore les épreuves de qualification, 30 secondes et 1 point par mot. Bijoutier. Horloger. Bretagne. Finistère. Profil. Face. Contraire. Arrière. Opposé. Devant. Derrière. Devant. Passe. Deuxièmement. Premièrement. Reine. Roi. Autre mot. Autre mot, bon, j'ai pas. Vertèbre. Colonne. Pas mal joué. C'est mon dos. Depuis le début, c'est le dos. Devant, allez, machin, c'est opposé du devant, c'est le dos. Ouais. Bah, c'est pas grave. Horloger, Finistère, et premièrement, ça fait 3. Roi, reine, c'est de la même famille. Roi et reine, c'est de la même famille. Donc, on n'a pas pu le comptabiliser. D'accord, ça fait 8 points au total, ce qui n'est pas mal. Attention, Emmanuel, vous avez 2 points, ce qui veut dire que là, il va falloir que vous essayiez d'améliorer ce score, ce qui est possible, bien sûr. Et c'est vous qui allez deviner les mots que va vous faire, je l'espère, deviner avec talent, notre amie Corinne Touzet qui va vous donner les mots à 10. Tu es prête, Corinne ? Je fais ce que je peux. Hein. Alors, quand vous voulez, mesdames. Ch-
Cheval. Autre mot. Ah, d'accord. Dune. Colline. Arcachon. Pila. Oui. Repriser. Recoudre. Simplifier. Coudre. Oui. Poilu. Chevelu. Visage. Barbu. Oui. Après. Avant. Contraire. Ah, ça va vite, 30 secondes. Il faut améliorer ce score. Car là, ça va très vite. 3 points, ce qui n'est pas mal. Vous avez 5, rien n'est perdu. Le premier mot, c'était cheval cavalier. Cavalier, c'est donc la, voilà, c'est la même ça. Famille. Je ne savais pas. Ah, cavalier et cheval, c'est vraiment d'accord, de la même oui, famille. Oui, ça. Ils sont faits pour s'entendre. Ouais. Normalement, quand l'un voit l'autre. Je cherchais, j'ai pas trouvé. Ça l'intéresse. J'ai pas trouvé. Et surtout le cavalier. Alors donc, Pila, bravo. Coudre, un autre point. Et Barbu. Vous avez 5 points au total, 8 pour Thomas. C'est vous qui avez la main maintenant. Vous allez devoir faire deviner les mots à Corinne. Et on va les cacher pour tout le monde, bien sûr. 3 points pour être à égalité. 4, ce serait bien. 5, ce serait encore mieux, d'accord ? Prenez votre temps avant de vous lancer. Soyez bien concentrés. C'est parti. Lourdeur. Légèreté. Passe. Malade. Guéri. Ventricule. Cardiaque. Attache. Ceinture. Port. Amarre. Bateau. Ancre. Passe. Ah, 30 secondes, c'est terriblement rapide. Bravo pour la légèreté, bravo pour cardiaque. Le deuxième, vous ne l'avez pas joué, c'était Bec Bédé, donc personne ne pouvait le trouver puisque vous ne l'avez pas joué. Et vous l'aviez, le quatrième, c'était mouillage. Mouillage. Alors comment faire deviner mouillage ? C'est ancrage, pas facile. D'entrée, ancrage. Ah oui, ancrage. Ancrage, ouais. Ou alors séchage, ouais. Contraire, ah, hein, voilà. Quand on le joue autrement. Oui. Voilà. Alors avec 7 points aussi, vous n'irez pas en finale. Mais vous pouvez jouer avec notre chaîne mot de passe, une chaîne officielle YouTube qui vous permet de faire des parties également avec des mots cachés comme nous venons de le faire. Et comme nous allons continuer à le faire maintenant, car Thomas qui est sûr d'être finaliste, puisqu'il a déjà 8 points, va 1, essayer d'améliorer ce score, 2, on va voir quel partenaire va l'accompagner. Alors, les mots sont cachés pour tout le monde, y compris évidemment pour vous et pour Tex, c'est Thomas qui est maintenant à l'envoi. Fruits. Légumes. Langue. Haricots. Langue. Non. Passe. Chanteuse. Dalida. Aigle. Barbara. Levé. Baissé. Soleil. Couché. Chandelier. Candélabre. Une. Bougie. Et peinture. Miroir. Vernissage. Peinture. Vernissage. Ouais. Vous devez jouer beaucoup à mot de passe, non ? Parce que vous avez une technique de jeu, hein. Chacun a sa technique. Mais le premier mot qu'il cherchait à te faire prononcer, c'était le fruit, la mangue. Donc il te dit fruit. Et après, il dit langue. Parce qu'en fait, je connais bien Tex et sa façon de jouer. Je ouais, sais qu'il joue un peu comme ça. Donc Mais d'accord. Au troisième mot. L'allitération, je m'en sers au troisième mot. Très bien, c'est noté. Donc, ça fait 3 points supplémentaires, ça fait 11. Avec 11 points, donc vous êtes the finaliste. Alors, à la maison, vous pouvez jouer également avec nous et gagner la somme de 3000 euros. Que nous mettons en jeu chaque mois. Pour cela, il vous suffit de trouver le bon indice, car nous vous donnons le mot de passe, vous le savez, depuis le mois de juillet. Alors, le mot de passe, là, c'est Aphrodite. Donc, les deux premiers indices sont mythologie et déesse. Quel est le troisième indice ? Est-ce un beauté ou deux guerres ? Je vous répète, le mot de passe, c'est Aphrodite, et les deux premiers indices, mythologie et déesse. Vous envoyez votre réponse en haut de par SMS au 72121, ou alors, si vous préférez téléphoner, vous faites le 3632, et parmi toutes les bonnes réponses, peut-être la vôtre sera tirée au sort. Eh bien, finale masculine, Emmanuel et Corinne vont assister à cette finale dans le public, car messieurs,
messieurs. Je l'embrasse voilà. D'abord Corinne qui tu va peux évidemment, quitter. Et on peut les applaudir. Messieurs, c'est à vous. Voilà Thomas, il est parisien, il habite le 14e arrondissement. Il vient jouer, il a passé les épreuves de qualification avec brio. Il est face à Tex pour la finale. Dans quel coin du 14e habitez-vous ? Près de Pernetti. Pour celles et ceux qui connaissent Paris et le 14e arrondissement. On va regarder la pyramide. Donc des gains. 1000 euros, 5 mots sur 9. 2500 euros, 5 mots sur 8. Vous le savez, si vous arrivez à 2500, cette somme sera la vôtre. Et en plus, l'utilisation du Joker. 5000 euros, 5 mots sur 7. 10000 euros, 5 mots sur 6. Et pour gagner 20000 euros, 5 mots sur... Comment ça va, Thomas ? Ça va un peu la pression, mais ça va. Vous regardez l'émission fréquemment ? De temps en temps, oui. Surtout ouais. Quand je suis avec mes parents. Et vous jouez à la maison ? Bah bien sûr. Bien sûr. Ça vous semble facile ? On tourne le dos à la télé, on écoute les mots, on essaie voilà. De deviner. Ouais. Oui, alors il y a deux. Alors ça, c'est quand même incroyable. On fait une émission de télévision et les gens nous tournent le dos. Voilà. On va en faire une émission de radio, hein. C'est incroyable. Hein. Voilà. Mon cher Thomas, vous êtes là en finale. Là, vous n'êtes pas avec vos parents, vous êtes seul. Vos parents vous regardent. Vous êtes avec Tex et c'est vous qui pouvez gagner la somme de 20 000 euros. Au début, c'est simple, c'est 5 mots sur 9. Je vous rappelle les règles de la finale, 3 indices, 1 minute 30, et quand vous passez un mot, le mot ne revient pas. Voilà. On est prêt ? Prêt. Ready. 5 mots sur 9. Allez, tout le monde joue 1000 euros. Veste. Chemise. Après. Costume. Douche. Peignoir. Crapaud. Grenouille. Dion. Dion. Céline. Enceinte. Acoustique. Bébé. Accouché. État. Grossesse. Vinaigre. Huile. Type. Balsamique. Très bien. Hashtag MDP, si vous avez envie de donner votre avis et de confronter le vôtre avec d'autres avis sur cette finale. Pour Thomas, c'est 1000 euros. Vous pouvez partir maintenant ou rester, les remettre en jeu, vous. Je vais les remettre en jeu. 2500 euros. Ils m'ont l'air d'être bien concentrés, tous les deux. Ça peut aller loin. J'aime bien cette notion de partir avec les 1000 euros. On a l'impression que le mec va prendre l'argent et partir en courant. Bah oui. Mais 1000 euros, c'est une somme aussi. Mais oui. Et on peut partir. Se dire, tiens, je pars. Voilà. Je me sens pas en forme. Ça me plaît pas trop. J'ai trop la pression. Je pars. Mais vous restez. Oui. Et vous avez bien raison. 2500 euros, 5 mots sur 8. Et c'est maintenant. 1 minute et 30 secondes. Appartement. Maison. Terrasse. Balcon. Horloger. Bijoutier. Volcan. Auvergne. Sicile. Etna. Autre. Il s'appelle... Vésuve. Quarantaine. Trentaine. Autre. Vingtaine. Plus. Cinquantaine. Psychopathe. Killer. Cinglé. Tueur. Petit. Assassin. Argent. Monnaie. Amérique. Dollar. Très bien joué. Voilà 2500 euros pour vous. C'est quoi le psychopathe ? J'aurais dû commencer avec cinglé. Ouais, cinglé. J'aurais dû commencer voilà. Avec cinglé, pas fou. Ah, parce que si t'es psychopathe, je suis sur meurtrier, machin. Alors, le Vésuve, c'est une bonne réponse, sauf qu'il n'est pas en Sicile. Mais c'est une bonne réponse, en tout cas. Ah, pardon. Non. C'est l'Etna qui est en Sicile. Voilà.
balcon, bijoutier, Vésuve, cinquantaine, dollars. Chaque mot valait 500 euros. 5 fois 500, 2500 euros. Cette somme est à vous. On va maintenant se poser la question, non pas de prendre le joker maintenant, j'imagine que non. Non pas de se dire que vous allez à 5000, j'imagine que oui. On va simplement se poser la question, est-ce que maintenant vous pensez que vous pouvez atteindre les 20 000 ? Maintenant. Disons que je pense que c'est pas impossible. Ou est-ce que vous vous dites, Tex est un abruti, et de toute façon on est au maximum. Voici donc pour 5 000 euros. 5 mots sur 7, restez bien concentrés. Instrument. Violon. Esclavagiste. Blues. Martinet. Menotte. Pivoté. Tournée. Animateur. Tex. Patrick. Sabatier. Serviette. Sébastien. Biche. Serre. Enfant. Fan. Flûte. Pan. Merci. Moche. Joli. Synonyme. Belle. Moche. LED. Enceinte. Grossesse. Football. Stade. Merci. Ouverture. Fermeture. Ouf. L'autre c'était, je crois que j'ai ses fouets. Ouais, c'est fouets que j'ai raté. Ouais. Merci beaucoup, hein, parce que c'est bien. Pas été, pas été en train de, ouais, je suis en train de tirer les ficelles. Merci beaucoup, quoi. Non, parce que pour Sébastien, on l'a bipé parce que vous avez dit serviette, ça commence de la même façon. Et c'est vrai, alors que vous l'aviez bien amené, c'est pour ça qu'il faut être vigilant jusqu'au bout. Oui. Avec sardine, ça aurait bien marché. Tourner, pan, lait, stade, fermeture, ça fait 5 points. Ça veut dire 1000 euros par point, 5000 euros, vous les avez maintenant. Et je vous repose la question, est-ce que vous pensez que vous allez aller à 20 000? Et à la fin, il nous reste 22 secondes. Oui. En termes d'indication. Absolument. Oui, mais on a perdu deux mots. Oui. Parce que là, vous avez 10 000. Si vous pensez que vous arrivez à 20 000, je vous dirais, n'utilisez pas le joker. Parce que c'est bien d'avoir le joker pour 20 000. Si vous pensez, en revanche, qu'il faut s'assurer, voire se rassurer, prenez le joker, car il vous montre les 5 premiers mots de la prochaine liste. Et comme ça, vous avez un petit peu de temps en plus pour vous faire une idée si vous jouez ou pas. Je pense que je vais prendre le joker. Ah oui ? Je pense. À mon âge, déjà, si j'arrive à décrocher les 10 000 euros, je suis content. On va regarder, puisque vous avez demandé le joker, c'est votre droit, les 5 premiers mots de la prochaine liste. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. J'en ai 4 pour l'instant. D'accord. Prenez votre temps, il en reste évidemment un sixième. Vous êtes dans la position que je dirais, que je qualifierais d'assez inconfortable. Pourquoi ? Parce que c'est très possible. Vous pouvez réussir. Il n'y a pas de mot impossible. Maintenant, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est à vous de choisir. Franchement, devant l'écran, on se dit qu'on peut y aller. Je vais continuer. Alors, on tente. Corinne, est-ce que tu penses que ça va marcher? Oh, je le souhaite de tout mon cœur. On l'espère, évidemment. De deux choses l'une, hein. On multiplie par deux ou on divise par deux. C'est 10 000 ou 2500. C'est parti. Résultat? Bah, dans une minute trente. Vainqueur. Perdant. Ultime. Champion. Chat.
Chien. Confortable. Coussin. Cri. Miaulement. Souhaiter. Vouloir. Attendre. Espérer. Venise. Gondole. Tonnerre. Applaudissements. Pluie. Tempête. Éclair. Ouragan. C'était orage. Orage. Oh, désespoir. Au troisième, on a perdu le temps. Tu peux pas revenir sur ce qui manque. Ouais. Et voici donc la fin de cette partie. On vous applaudit. Ah, désolé. Je croyais qu'on pouvait, on se devait se dépêcher. Là, j'avais pas la règle à ce moment-là. Vous avez gagné la somme de 2 500 €. 2 500 €. Corinne Emmanuel, venez nous rejoindre. Merci de participer à cette émission. Vous voyez, hein, on a notre adresse internet. C'est simple pour communiquer avec vous et pour tout savoir sur l'émission. Avec Tex, avec Corinne Touzet, avec Thomas, avec Emmanuel, on vous souhaite une très bonne soirée.